Salut tout le monde, je vais vous faire voir un peu ce qu'on a fait sur une Golf pour un client. Donc une prépa turbo. Donc voilà, pour vous faire voir un peu ce qu'on peut faire, genre de prépa. Donc là-dessus, c'est une Golf 2 qui est arrivée avec un ABF déjà dedans en 2 litres 16. Par contre, il y avait encore la boîte de Golf 2 GTI 16. Donc forcément, pour passer des chevaux, la boîte de Golf 2, ça pouvait pas aller. Donc on a dû passer une boîte de TDI. Là, on a monté une boîte de Golf TDI. Donc ça veut dire changement d'embrayage, etc. Il a fallu passer l'embrayage de câble à hydraulique. Donc il y a eu un peu de boulot parce qu'on n'a pas voulu changer tous les trains pour monter du Golf 3 parce que sinon ça faisait racheter des jantes aux clients, etc. Donc on a gardé le berceau de Golf 2, on a fait les modifs pour passer la boîte en gros de Golf 3 dans le berceau de Golf 2. Donc voilà, pour la boîte, donc maintenant c'est bon, on a une boîte qui est beaucoup plus solide, qui tient beaucoup plus le couple. La boîte de TDI qui est bien longue, mais en fait par rapport au couple, on s'aperçoit que il y a un léger trou entre la 2 et la 3, mais comme on a un turbo qui charge vachement tôt, en fait quand on pousse la 2, on met la 3, on est en plein dans la zone de charge du turbo. Et en fait, la 3 est longue, mais il y a tellement de couple que ça va faire gagner du temps sur la piste parce qu'on va changer moins de rapport. Donc cette boîte-là est très bien en fait. Donc voilà. Ensuite, niveau moteur, on est passé, forcément, on a tout démonté, on a tout refait, on a alésé le bloc, on est passé sur des pistons plus gros, pistons forgés, basse compression. On a mis des bielles forgées, tout ce qui est coussinet, trimétal, etc. Donc le moteur est forgé entièrement. Tout a été fait correctement. Le bloc a été réalisé, la culasse a été surfacée, plastijauge, etc. Tout a été contrôlé. Au niveau du turbo, on est sur un Garrett GT28 60RS en AR64. AR64 simplement pour pouvoir charger assez tôt, pour éviter d'aller tirer vachement dans les tours du moteur, parce que c'est pas forcément ce qu'on recherchait. Là, on voulait quelque chose qui était coupleux, efficace, pour avoir des bonnes reprises. C'est une voiture qui est faite pour faire de la piste. C'est pas du drag. Ça aurait été du drag, par exemple, on serait plus parti sur un AR85, par exemple. Mais là, on a pris l'AR60. Donc voilà. Ensuite, au niveau gestion moteur, on est parti sur une gestion EQ Master, gestion classique. Donc tout a été refait, le câblage, comme vous pouvez le voir, tout le faisceau, tout est refait, tout est neuf. On a câblé la gestion EQ Master. Ensuite, on l'a mappé forcément sur le banc. Et voilà, régulateur d'essence, pompe à essence, gros débit AEM, etc., etc. La voiture tourne à l'éthanol. Là, on sort avec le boost. Pour l'instant, il y a pas mal de boost parce que le châssis n'étant pas fini, j'ai préféré monter un robinet traditionnel de turbo pour pouvoir baisser la puissance pour le client, parce que là, si je la règle même rien qu'à 1 bar 2 en stable, on a sorti quasiment 330 chevaux. Avec le boost de la wastegate, on a une pointe à 1 bar 4 en début de charge, 1 bar 4, 1 bar 5 quasiment. On est à 480 ou 490 Nm de couple, donc c'est énorme. On a monté un robinet pour pouvoir la dégonfler, la mettre à 1 bar. À 1 bar, on a quasiment 280 chevaux. Donc c'est déjà pas mal. Le châssis, pour l'instant, n'est pas encore fait. Donc il faut que le client maintenant bosse à ce niveau-là, mettre l'autobloquant,
kit gros frein, etc. Parce que là, ça va être très compliqué avec cette puissance-là, ce couple-là. Donc pour l'instant, c'est un robinet de pression turbo. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait gérer le turbo avec la gestion prog, mais là, ça permet de faire évoluer simplement sans avoir à brancher d'ordinateur ou quoi que ce soit. Donc voilà pour cette prépa. Ben là, la voiture est prête à partir. On a mis l'échangeur, etc. Tout a été fait. On ne le voit pas bien. Il est à l'intérieur. Il est là. L'échangeur est là derrière. On a des bonnes températures d'air d'échappement. Le filtre à air qui va bien, qui a été pareil, calculé par rapport à la puissance, etc. Donc tout a été fait correctement. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser. Il va falloir bosser un peu sur le châssis parce que maintenant que le moteur est là, ben, il faut faire suivre le reste. Voilà, donc maintenant, le client, c'est à lui de jouer. Allez, merci, bonne journée, salut.